Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4. Donc je vois qu'on a vu dans le précédent épisode une porte ici, donc qui mène à une pharmacie. D'ailleurs, j'avais pas regardé à quoi ça menait. Donc on va aller voir dans cette pharmacie ce qu'il y a. Hop. Oula. Apparemment d'abord, avant tout, il y a des cadavres. En grosse quantité d'ailleurs. Premier secours, pourquoi pas. Rien du tout ici. Ouh, ça c'est. Azote liquide médical. Bouteille de laboratoire, pourquoi pas. Alors ça va être assez rare comme matériel, donc je m'en profite pour le prendre. Cartouche de cigarette en pharmacie, mais bien sûr. Mais allons-y, soyons fous. Le Boston Bugle, on en reprend un. Une canne, après tout, pourquoi pas. Un steam pack. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Tu me diras, on n'est pas les premiers, à mon avis, à venir ici. Rien dans le truc de cigarette. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vérifie quand même sur les étalages. Là, par exemple, le Radix. Il m'aurait fallu un Radaway. Il m'aurait fallu un Radaway. Ok, le joli petit freeze en sortant de bâtiment. Sortie de bâtiment, c'est pas normal ça. Enfin bon, on va voir la bus station qu'on avait vue d'en haut. Hop, oh, un joli mur en pierre. D'accord, et donc là c'est l'endroit où on devrait aller faire la mission en fait. Ok, oui d'accord, bus station, je comprends mieux maintenant. Ouvrir la porte. Ah oui, c'est vraiment, vraiment ça en plus. Pourquoi pas. Rien dans le kiosque à journaux. Robe rouge, ça m'intéresse pas des masses. Pingle à cheveux, chapeau melon. Chapeau melon, c'est stylé. Ouvrir la porte. Ça, c'est les chiottes. Ok. Bon, bon, bon. Ici, avons-nous quelque chose? Non, rien du tout. Bon. Encore un endroit hyper intéressant. Prendre le téléphone pour le câblage qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on peut rentrer dans le bus? Rien d'intéressant. Ah oui, j'y pense. Tant que j'y pense. Oh putain, j'ai failli oublier. On va se téléporter donc à la maison. Certains d'entre vous m'ont parlé sur Steam de quelque chose qu'il fallait que je cherche. De quelques petites choses qu'il fallait que je cherche dans la maison. À Sanctuary. Alors les armes légendaires, les objets légendaires, c'est sur des personnages principaux en fait, des personnages légendaires pardon, qui tombent, qui pop un petit peu n'importe comment. Donc ça, je pense qu'on verra dans le fur et à mesure de l'histoire comment on gérera notre personnage, etc., etc., etc. Alors on m'a dit de visiter ma maison et de bien regarder. Il y a des choses, apparemment il y a deux bouquins, il faudrait que je trouve. Donc les bouquins, on avait vu, bah tiens, Grognac le barbare, on avait vu celui-là au tout début. D'accord, bah, c'est pas grave. C'est pas extrêmement intéressant, mais c'est toujours ça de prix. Salir et poudrir. Uchapin, c'est génial. Petit biberon, oh c'est mignon. C'est mignon comme tout. Est-ce que je peux prendre le couvercle de la casserole? Oh putain. Ah, il est plus grand, le couvercle est plus grand. Oh! Oh! Oh, chers amis! Comment que je peux le remettre? Alors, attendez. Oh merde. Je l'ai eu l'espace d'un instant. Hop, regardez ça. Tout doucement. Ah merde! Oh bah j'ai tout cassé. Tant pis, allez hop. Raté. Et apparemment il y avait un deuxième bouquin. Et moi je me rappelle qu'on avait vu le bouquin spécial dans la chambre du...
Oh putain! Oh putain! Ah, je peux pas faire retour arrière, non! Est-ce que je peux charger ma partie? Commonwealth. Pourquoi pas? On y retourne. Oh la vache, ça peut me rajouter un point là où je veux. Ça peut me rajouter un point là où je veux. Et tout le monde me harcèle sur mon téléphone. Peut-être falloir que je fasse une petite pause. Attendez, je profite du chargement. Hop, il est long ce chargement d'ailleurs. Me dis pas que t'es en train de recharger tout le jeu. Non. Ok, pourquoi pas. Donc là, faut que je me re-téléporte. J'aurais dû faire un point de... Hop. À Sanctuary. Hop. Et justement, je vais pas vous mettre le... Je vais faire une ellipse. Voilà, hop, ellipse. Re, chers amis. Donc, alors, on va aller les rechercher. Sauvegarde rapide. On reprend Grognak. Hop. Et donc, là, on va voir dans nos stats ce qui nous intéresserait qu'on peut pas avoir. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'entends par là? Actuellement, en force, on peut pas avoir artillerie lourde. Grâce au conditionnement et entraînement rigoureux, les armes lourdes infligent, d'accord. Ici, on peut pas avoir Nyctalope, une créature de la nuit, d'accord. Ok, là, on peut pas avoir Amphibie, ça pourrait être intéressant, ça j'y pense beaucoup, à vrai dire. Là, on peut pas avoir Chimie, rallonge 5% la durée des drogues, commence à mettre bien le trip. Non, ça m'intéresse pas du tout, ça. Ça m'intéresse pas non plus. Ça pourrait être intéressant. Bah vous savez quoi, je la mettrais bien en force 5 quand même. Pour pouvoir porter plus d'objets. Ou alors ici. En réaction quand vous buvez ou mangez. Ouais. On va le mettre là-dedans peut-être. On va essayer de le mettre là-dedans. Hop, je vire mon bordel. Crac. En force donc. What, il a sprinté comme un malade lui. Force. Ou endurance. Ah, je suis faible en endurance. Force. Pas grave. On est donc passé à... Bah alors ? On n'a pas évolué du tout. Stat. 5. What? 255, on est d'accord. Si je fais F9. Je vérifie quand même. F9. Pardon, F10. Là, ça m'intrigue. Là, franchement, ça m'intrigue, chers amis. Là, on avait combien? 245, ah d'accord. Oh bah pour 10 points ça vaut pas le coup hein, soyons honnêtes, pour 10 points je préfère encore les mettre dans endurance, qui va me rendre plus résistant. Hop, voilà, que dans force hein. Franchement pour 10 points c'est pathétique hein. Bon alors ça c'est fait, ça c'est cool. C'est cool. Bah tiens, on avait différentes armes aussi qu'on pourrait peut-être aller voir. Les armes, pistolet de fortune, canne. Qu'est-ce qu'on peut modifier sur la canne? Canne à barbelé, canne à pointe, pistolet laser, la machette. Ouh, la machette, ça peut être stylé, améliorer ça. Lame dentelée, ouh. Pistolet laser, ouais, d'accord. Roulette laser, ouh, oui. Alors, je vais peut-être recycler la canne, mais la machette, je la garde. Ça aussi, je recycle. En profiter tant qu'on est là, hein. Hop. Mid Dog. Enfin oui, Canigou, viens là. J'aimerais qu'on discute, s'il te plaît. Non. Échanger. Oui, merci. Alors. Avant toute chose, on va aller là. Pistolet 10 mm. Non, m'intéresse pas. Hop. Retransforme-toi. Fatman, je le garde. Par contre, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le Fatman? Lanceur standard, lanceur MRIV, d'accord. Oh, intéressant. Chacun de savoir ce que ça change.
Parce que ça change réellement, je veux dire. Hein. Modifier culasse standard. Culasse, on change rien. Canon raccourci, ok. Canon court léger, canon long léger, canon à ouverture, canon à ailette est sympa. Poignée standard, poignée. Oh, oh, dis donc. On peut littéralement en faire un truc bien plus. Désolé, mais je ne serai pas de très bonne compagnie. On peut même lui rajouter une lunette. Eh B. Bon, tu vires quand même, c'est pas grave. Toi aussi tu vires. Hop, merci. On va aller voir l'armure. Transfert. Maintenant, si j'ai envie de lui mettre, par exemple, le casque de pillard et le plastron de pillard. C'est terriblement laid. Hop. Et hop. C'est mieux comme ça. Par contre, on peut la mettre ici, du coup. Non, je voulais pas rentrer dedans. Non, surtout pas. Ressort. Qu'il est con. Ressort. Merci. Ah, par contre, tu peux très bien rajouter tout ça. Hop. Bon, c'est très très moche, mais... Mais voilà. Hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? Au niveau de l'armement. Mine à fragmentation, ça je peux le mettre. Hop. Au niveau de l'armure. Est-ce qu'on a des choses à remettre depuis le présent épisode? Bras droit de pillard, cagoule avec lanière, chapeau melon, hop, costume, costume. Hop, voilà. Ah merde, j'ai mis des trucs que je voulais pas mettre. Bon, j'ai pas vu. Ah, ça pourrait être efficace. Bon, qu'est-ce que j'ai plus sur moi comme armure, du coup? Ah, je peux pas avoir les deux. D'accord, ok, pourquoi pas. J'ai dû mettre les lunettes, en fait. Donc ça doit aller. Merde, je suis con, c'est là qu'il faut que je cherche. Hop. Bon, ça devrait le faire. Hop. C'est mieux comme ça. Bien que je déteste autant que ces enfoirés pillards. Alors. Si vous tombez sur eux, tuez-en quelques-uns pour moi. Oui, madame. Parfait, madame. Donc. Hop. Retourne sur la carte. Appartement de Lexington. Lexington. Ouh, elle est jolie comme ça, dis donc. Oui, ça, bien sûr, c'est normal que si on s'est tourné à vide avant de tirer. Il est quand même vachement balèze. On voit comment il le recharge en plus. Non, c'est vraiment cool. C'est très très cool comme arme. Alors, est-ce qu'on... Canigou ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je te suis. Oula, Canigou, n'y va pas ! Ah bah là, on la voit, la mine. Ah putain, ça se trouve, faut que Canigou les... Faut que Canigou les repère, ça se trouve, avant. Oh la vache, si c'est ça, c'est d'une violence. Par contre, il fait vraiment nuit de chez nuit, j'aimerais bien... Est-ce qu'il y a un siège ici? Oui, je peux m'asseoir, hop. Et une fois que vous êtes assis, en fait, vous pouvez attendre en appuyant sur T. Donc là, par exemple, il est 11h, on va attendre 9h. Comme d'habitude, il faudrait attendre les 9h, ils n'ont pas encore imaginé qu'on pouvait, par exemple, passer les 9h directement. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. On se lève et on les bouscule. On ne les réveille pas. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'on est très proche au final de la zone de mission. Bon, vous savez quoi, on va aller. On va pas aller la faire, on va aller ailleurs. Par exemple, aller par là, à l'est. Ça peut être sympa.
Apparemment le jeu est dense, donc du coup on pourrait peut-être en tomber sur 2-3 petites choses sympas. Moi ça ne me dérange pas, en plus on est quand même pas hyper équipé niveau munitions. Par contre ce qui me fait plus chier c'est que là on est... Oh! Des œufs de fond jeu. Wow! Mais c'est qu'ils font mal. Hop. Alors, je reçois des mails en plus. Ah bon, soyons honnêtes, s'il y a des œufs de fongeux. Fongeux chasseur, vous avez vu ça? Où il est? Je l'ai vu il y a 2 secondes. Il est par là. Il est par là. Oh nom de Dieu. Alors s'il a une tête de mort à côté de lui, c'est pas bon signe. Oh la vache. Ce qui me met. Bla. Ce qui m'a mis. T'es sérieux, j'ai pas plus proche comme... Comme sauvegarde? Apparemment non. Bon. Hop. On y retourne, on va le retrouver, on va le buter. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, on l'aura. Alors. C'est marrant, je retrouve pas l'endroit où j'étais tout à l'heure. C'est d'une violence. Par contre, on est re dans la nuit du coup. Ça c'est casse-couille. Ok. Donc apparemment j'ai pas de grenade d'équipée. Hop. Ok. Pas grave pour Canigou. Aïe. Bla. Ok, en plus c'est un rapide. Bon. Eh ben celui-là on va pas chercher à se le faire. Malheureusement on va pas chercher à se le faire du tout. What? What? Une espèce de petit barrage, donc on va aller voir ça. Un Darion. À tes souhaits. Il va bien y avoir une porte pour rentrer dans cette structure. Hop, ah, apparemment je suis encore en phase de saut. Voilà. Ah non, là je suis encore en phase de saut aussi. T'es sérieux, jeu là? D'accord, il y a Kenigou qui est ici. Allez, ramène tes fesses. Non, ça a pas l'air de l'intéresser. Aïe. Casse-toi. What the... Ah non, c'est lui. Ok. Bah alors, faut être un peu plus dynamique que ça, mon pote.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la même installation que là-bas, ça aussi. Donc, il n'y a strictement rien, en fait, ici. C'est cool. Là-bas, une espèce de maison, de suite de maison, de baraquement. Ok. De la sanguine, je sais pas à quoi ça correspond du tout. Tourelle à mitrailleuse lourde amicale. Je viens en paix. Bonjour. Il y a pas mal de Covenant. À se faire en protégeant les gens. Lucas Miller, oui. D'accord. Mes armures ont sauvé bien des gens dans les terres désolées. D'accord. Voyons okay. Ce que vous avez. Ce qui compte dans les armures, c'est leur résistance. C'est pas les plus belles qui arrêtent le mieux les balles. Bras gauche champion, le salaud. Force et endurance plus 1. Eux, la gueule. Et ils vendent ça 482, le sac. Mon bric à brac, mais d'hiver. Le problème, c'est que je sais absolument pas quoi vendre. Ça donne du tissu, quoi, mais c'est incroyable. Je sais absolument pas quoi vendre. Si, tiens, bah mes... Mais comment, mes drogues. Hop, si je t'en vends... Un par un. Hop, déjà si je te prends ça. Ok. Donc ensuite, je te l'achète, on va dire. Attendez, d'abord on va voir ce qu'il a. En armement. T'as rien du tout. Oh la vache. Par contre, il a une chier d'objets légendaires. 10 000. Regardez ça. C'est quoi, je vais acheter ça. Je vais lui vendre tous mes jets. Hop. Et comme il aura 118 encore, parce que je vois qu'en fait on a l'affichage complet du truc en bas. Hop. Hop, voilà. Et j'accepte. Donc je l'ai dépassé de son pognon et d'un truc légendaire. Que je vais m'empresser d'équiper, pardon. Hop. Voilà, parfait. Une petite sauvegarde rapide et je reviens tout de suite, chers amis. Voilà, chers amis. Donc, on est toujours devant cette petite maison de Covenant. Enfin, ce petit Welcome to Covenant. Je sais pas ce que c'est. C'est une ville, un petit village, un jardin. Il y a d'avoir un garde. Oh, il est beau. Sinon, circulez. Les gens armés qui rôdent dans les parages, c'est pas bon pour les nerfs. Je comprends. J'ai piqué son armure. Est-ce que je l'ai mise? Oui, je l'ai mise. Elle est là. Bon, bah, c'est toujours stylé. C'est toujours ça de prix. Le bout d'armure légendaire plus les pixels que je lui ai volé quand même. Hop, Swanson. Salut, Swanson. Vous venez visiter Covenant? Sinon, circulez. Les gens armés qui rôdent dans les parages, c'est pas bon pour les nerfs. J'aimerais visiter. J'aimerais visiter les lieux, oui. Comme c'est votre première visite, faut que je vous explique quelque chose. On laisse pas entrer tout le monde. Il y a un test à passer d'abord, le test sécurité. Obligatoire pour tout le monde. D'accord. À quoi ça sert? L'idée est intéressante. Mais entre nous, à quoi sert ce test? Je ferais mieux de me taire. Bon, écoutez, on veut être sûr qu'il n'y a que des gens bien qui viennent à Covenant. Pas d'indésirables. Personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, voyez? Des indésirables? Je viens d'arriver par ici. Ah oui, je suis con. Vous voulez dire par indésirable? Vous n'êtes pas au courant pour... Eh ben... Écoutez, les gens du Commonwealth sont pas tous humains. Il y a aussi... des synthétiques. J'en dirai pas plus. Contentez-vous de passer le test. Si vous réussissez, vous pourrez entrer et vous aurez plus rien à craindre. Ça marche? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Faut vraiment que je passe ce test? Eh, hey, le règlement, c'est le règlement. On y va? Passez le test. D'accord. Bien, asseyez-vous et on pourra commencer. Parfait. Allons-y. Je suis content, j'ai eu l'XP que je voulais. On s'assoit.
mort. Kenigou aussi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Un scientifique à l'air dérangé vous aborde en hurlant. Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance. C'était le, c'est le spécial, c'est le GOAT, pardon, au début du premier du 3. Science. Non, je ne m'en ferai pas vraiment. S'il faisait ça, il causerait une déstabilisation parabolique de la singularité de fission. Ok. Question suivante. Vous travaillez comme interne à la clinique quand un patient souffrant d'une étrange infection au pied arrive en boitant. L'infection se propage à une vitesse alarmante, mais le médecin en titre s'est absenté. Que faites-vous ? Amputé. Je lui ampute le pied avant que l'infection se propage. L'amputation. Question suivante. C'est les questions du GOAT du 3. Un garçon perdu dans une grotte. Il a faim et il est effrayé, mais il semble également être en possession d'objets volés. Que faites-vous ? Lui faire les poches, confisquer les biens et l'abandonner. Confisquer les biens et l'abandonner. Conduire en lieu sûr. Lui faire les poches, réconforter. Soyons honnêtes. Il y a une Brahmine qui arrive derrière. On va le réconforter. Je réconforte le garçon et je lui dis qu'il ne risque plus rien. Avant tout. Curieux. Félicitations. Vous venez d'intégrer une équipe de baseball. Quel poste souhaitez-vous occuper ? Batteur. Batteur désigné. Ah ouais ? C'est ce que vous préférez ? Bref. Question suivante. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. D'accord. À votre grande surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande de tuer quelqu'un. Que faites-vous ? Minigun. Je lui demande une mitrailleuse pour faire le boulot correctement. C'est pas le moment de rigoler. Ou c'était sérieux ? Je suis curieux de voir si je suis sarcastique. Est-ce que ça me fait rentrer ou pas ? Enfermé chez lui et on vous a demandé de le faire sortir de là. Comment procédez-vous ? Crocheter la serrure. Je pense la serrure avec une épingle à cheveux. C'est tout ce que vous feriez. Rien d'autre. Non, pas la peine de répondre. Question suivante. Oh non. Suite à une exposition prolongée aux radiations, une main mutante vous a poussé sur le ventre. Quel est le meilleur traitement ? La chirurgie, probablement. Avec un laser de précision. Penchant pour la technologie. Un voisin possède un exemplaire du premier numéro de la BD Grognac le Barbare. Vous le voulez. Comment vous y prenez-vous ? Le droguer, le voler, l'échanger, le menacer. Je le menace. Je le menace avec une arme et je lui prends. C'est presque fini. S'il me laisse rentrer après tout ça, ça va être violent. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle pendant qu'il a le dos tourné et... D'accord. Et j'inonde la pièce, je pétarde dans les toilettes, rasoir... Pétard dans les toilettes. Pétard dans ses toilettes. Ça marche à chaque fois. Test terminé. Personne n'a jamais répondu comme ça, mais bon. Vous avez réussi. Ah oh, putain. Je vous ouvrir. Il y a quand même des trucs dignes d'un robot, hein, soyons honnêtes. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Juste pour voir. Clé de maison covenante. D'accord. Alors, j'aimerais juste... Ne pas être détecté en fait. Bienvenue à Covenant. Merci. Allez-y. Tu te rassois ? En général, les visiteurs s'arrêtent d'abord à la boutique de Penny. D'accord. Il va être compliqué à berner celui-là. Allez-y. En général, les visiteurs s'arrêtent d'abord à la boutique de Penny. Ok, attendez, on va aller voir les gens là. Eh, au moins c'est un boulot honnête. Vous aurez de bien meilleures chances de survivre. D'accord. F5, on va quand même essayer. Ça va pas passer, hein. Je pense pas que ça passera. Tant pis, on verra ça plus tard. Bonjour. Mon chien ? Est-ce que mon chien peut rentrer ? Commandez. Viens là. Par ici. Oh. Tu me suis maintenant. Bon chien. Alors, est-ce qu'il y a du maïs à choper ? Rien du tout. C'est pas sympa les mecs. Hein. Bon. Petite ville. Sac d'engrais, pompe à eau, puisé.
D'accord. Une caravane est passée par ici il y a quelques jours. Après une chaude journée, il n'y a rien de plus agréable que la limonade de 10 heures. Salut, 10 heures. Moins de radiation, moins de fruits mutants, mais toujours le même goût inimitable. Eh ben écoute, je vais en prendre. La limonade de 10 heures. Un rayon de la limonade ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette limonade ? La limonade de 10 heures ne contient que de bons ingrédients. Ils sont au nombre de 4 et proviennent d'environnements ensoleillés et non irradiés avant d'être réunis dans un verre bien frais. Intéressant, ça. Et vous verrez, satisfait ou remboursé. Acceptez la limonade. Goûter. Voilà pour vous. Du coin ? J'espère que non. J'en ai ras le bol de ces pecnos. Vous n'aimez pas Covenant ? Un problème avec les gens du coin ? Tous ces faux sourires et ces beaux discours, ça me porte sur les nerfs. Plus vite je m'en irai, mieux ça sera. T'es pas si intègre que ça, Dan. La caravane de Stockton ? Une caravane ? Une caravane ? De quoi est-ce que vous parlez ? Le vieux Stockton m'a engagé pour retrouver sa caravane perdue. Ce qu'il en reste se trouve juste en dehors de la ville. Elle a fait étape ici, juste avant. Alors j'essaie de rassembler les pièces du puzzle. Mais tout le monde me fait tourner en rond. D'accord, intriguant. J'ai une proposition à vous faire. Aidez-moi à retrouver les gens de Stockton et on partagera la récompense. Il y a au moins un survivant. Et j'ai bien l'intention de remplir ma part du contrat. Paiement d'avance. Si je vous aide, je veux une avance. Si vous me donnez votre parole, je vous offre 50 capsules tout de suite. Ça en vaut largement la peine. Les survivants ? Qu'est-ce qu'on cherche ? On se concentre sur la fille de Stockton, Amelia. J'ai pas trouvé de cadavre de femme. Donc il reste de l'espoir. D'accord. Si on la trouve... Stockton nous couvrira de capsules. Oui, alors ça, c'est ce que tu crois. D'accord. Pareil, équitable. C'est d'accord. Voilà tout ce que je sais sur la caravane. De toute façon, je te buterai après. J'ai aucune preuve. Mais je pense que Covenant est dans le coup. Et je vais continuer à fouiner. Faites-moi signe si vous trouvez quoi que ce soit. Intrigant. L'erreur est humaine. Venez voir le bon Covenant. Goudrel, pourquoi pas, livre en retard, je comprends toujours pas ce que c'est exactement. Commencez par fouiller les extérieurs. J'ai un canne d'essence. Des fois pourquoi qu'il y ait un petit village a besoin d'une telle puissance de feu. Effectivement, c'est intriguant. J'y ai pas pensé. Il y a des gens qui dorment. Sac de couchage. Pot de peinture. Personne ne me voit. Ah merde. Ok. Ça, c'est du verrou. Il faut que je trouve la clé. Espérons que quelqu'un aura été négligent. Ok. Talia, Penny. Hop, qu'est-ce qu'elles ont sur elles ? 65% de chance de voler. Rien d'intéressant. La clé du magasin, par contre, là, c'est intéressant. Ok, cool. Cendrier, briquet à essence, pourquoi pas. Réveil, non. Je vais lui remettre les clés qu'elle m'a données. Ce qui me permettra de maximiser l'XP en fait. Ou alors je vais les donner directement. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais les donner à Dogmeat. Allez comprendre. C'est pour essayer d'avoir un maximum d'XP en fait. Mon bric-à-brac, ça devrait plutôt être dans divers, je pense. Mais divers, voilà. Je vais peut-être pas donner les clés, hein, c'est possible. Tant pis. Bon, j'ai fait une erreur en les prenant. Je vais pas pouvoir avoir l'XP que je voulais. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est une erreur commune. Tant pis pour nous. Il y a quelqu'un dans le magasin pourtant.
Regardez. Oh, quelqu'un ouvre la porte. Si vous avez mal quelque part, le docteur. Non, ça ira, je vous remercie. Hop, merci de m'avoir ouvert. Clé du magasin. Le magasin qu'ils ont, en fait, est un... J'espère que Covenant vous plaît. Oh, ça m'intrigue de plus en plus, cette ville. Oui, j'aime pas cette ville. Cette fois, c'est clair. Il m'enferme à l'intérieur, en plus. Je n'aime clairement pas cette ville. Terminal public. Carte du complexe. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, mon cher? Allez, sortez. Sortez, ma petite dame, sortez. What? C'est quoi, là-bas? Hop. Parfait, je l'ai eu. Clé de maison. Ah non, c'était les plantes. Jacob. Clé de maison, clé de bureau. Ouh. Clé de bureau. Ah mince. Raté. Ils sont prêts à me tuer apparemment. Hein. Ah, ils sont vraiment prêts à me tuer si... si je les vole. Hein. Ok. Donc oui, je prendrai les clés, hein, c'est pas grave. Utiliser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Test sécurité. D'accord. Ok. Donc, clé du bureau. Donc, j'imagine que c'est... Merci. Encore fichu. C'est la troisième radio ce mois-ci. Cette cellule n'est pas là pour faire semblant. Non, effectivement. Je n'ai aucune preuve. Terminal déverrouillé maître. Hum. Intéressant, intéressant. Il y a plein de choses là-dedans et il faudra que je revienne à mon avis. Hmm. Ouais, ouais, ouais. J'y reviendrai. Il m'a parlé d'une caravane autour. Bon, arrête, il y a un carrefour juste là. Une flaque d'eau. Ouais, ouais, ouais. Il y a de caravane l'ennemi. A été attaquée. Ah, juste la fameuse à côté caravane. De Covenant. Hmm. La limonade de 10 heures, hein. La caravane s'est bien arrêtée à Covenant. Ouais. Carabine de combat. Ouh. J'en avais pas encore vu ce truc-là, moi. On va aller voir ce que c'est exactement. Et B, je l'aime. Ça fait une carabine à plomb un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Effectivement, il manque quelqu'un. Je peux pas bouger le corps. Ok. On va quand même les mettre au bord de route. Madame. Pas bouger le cadavre non plus. Ok.
Et bizarrement, il y a une maison là-bas. On va quand même fouiller la zone pour éviter, pour voir s'il n'y a pas des cadavres, s'ils se sont défendus. Je vois rien. Je ne vois rien. Intriguant. Bon, bah nous, ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va aller se rentrer à Sanctuary. J'ai envie d'aller voir un petit peu les différentes améliorations qu'on a sur les deux armes qu'on a pu choper. Ouh, il est joli celui-là. J'aime pas les armes de fortune. D'accord, c'est intéressant par contre, le pistolet à seringue. Si c'est celui-là, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. À seringue, pardon. Pourquoi je dis seringue? Alors. What? Ah oui, c'est le trou du cul. Là. Ok. Carabine de combat. Non, pas recyclé. Tab, annulé. Modifié. Ouh. Canon long à ouverture. D'accord. Cross complète, cross tireur d'élite. Cross à compensateur de recul, c'est dommage qu'il n'y ait pas là, que ce soit la même. Chargeur standard, grand chargeur, chargeur moyen, chargeur à éjection rapide. Sans bouche, alors les bouches, les différentes bouches. Grande baïonnette, hop, celle-ci, compensateur, frein de bouche, silencieux. Tout ça, ça me rend tout chaud, chers amis. Modifier, est-ce qu'on peut modifier le pistolet laser? Je l'ai pas encore utilisé, justement, et j'aimerais... Donc bêta... Inflige dégâts à son dire. Condensateur amélioré. Condensateur surchargé. Intéressant ça. Canon court, canon long, canon automatique. Canon de précision. Ah, c'est vraiment intéressant ça. Sans bouche. D'accord, ça c'est pour le transformer en sniper, en pompe, pardon. Ah, c'est vraiment génial tout ça quand même. Hein. Moi j'adore, franchement j'adore, chers amis. Hein. Double tap, oui exact. Fatman, je l'ai pas modifié du tout. Lui, first gunner. Poignée tireur d'élite, j'ai derrière, mais j'ai pas le niveau qui. Si, je dois avoir le niveau qu'il faut en plus. J'aurais dû en faire plus. Ouais, j'ai le niveau qu'il faut. J'espère que ces pillards paieront cher pour ce qu'ils ont fait. Hop. Actuellement, je suis à 19 et je passerai avec une culasse piante à 27 de dégâts. Ça pourrait être intéressant. Sans bouche, je peux toujours pas. Oui, mais silencieux, c'est trop loin encore pour l'instant. Je peux pas encore tout mettre sur un truc comme ça. C'est vraiment dommage. Bon. Ah oui, je voulais voir aussi si je peux modifier, par exemple, remodifier. Voilà. Est-ce que je peux modifier ça? Metal poly. Elle est déjà au max au niveau de la protection. Ça, c'est génial. Affermi, c'est quoi? Réduit les dégâts aux membres, d'accord. Réduit le poids. Est-ce qu'y rajouter une poche ne serait pas plus efficace? Je ne sais pas. Ouais. Il y a du boulot, chers amis, il y a du boulot. Oh là, je me suis planté de bouton. Mon inventaire, mes armes, non, mes tenues, voilà, tout à fait. Voilà. Je vais aller ranger. Hop, transfert. Mon bric-à-brac. Et voilà, donc les amis, on va se laisser là pour cet épisode. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Pardon, excusez-moi, j'étais perdu dans la discussion. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers le lien de mon partenaire gamesplanet.com. J'en chie, je suis désolé. Qui m'a gracieusement offert Fallout 4 et Mad Max. Donc je les en remercie grandement. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.
Et hop!